J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche. Et aujourd'hui, on a une petite aventure. On a malencontreusement perdu notre invité, mais il arrivera après. Mais du coup, non, mais regarde, je suis là. Là, on a un Franck de rechange. Mais oui, je suis le bon Franck de rechange pour aujourd'hui. Et d'ailleurs, comme j'ai décidé d'être en mode décor, il y a un fond vert derrière moi, c'est que du bonheur. Voilà, on est comme à la maison, voilà, c'est cool. Non, bah, du coup, Vincent va nous rejoindre. Plus tard, ça va. Vous allez voir, on verra bien. Et aujourd'hui, c'était la journée 3D. On vous parlait des nouveautés 3D, de tout ce qui s'était passé. Et il s'est passé plein de trucs cette année. C'est la première fois qu'on a un back to max, back from max, qui parle de 3D entièrement. C'est un peu ça, ouais. Parce que pour le coup, déjà, petit sondage dans le chat. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui sont au courant du fait que autour des applications Adobe, on a moyen de faire des choses en 3D. Un petit oui, un petit non dans le chat, ça nous fera plaisir, que vous soyez du côté YouTube ou du côté Behance. Parce que je sais que vous êtes quelques-uns, j'ai vu qu'il y avait Pauline, Christophe et Framox qui étaient du côté YouTube, j'ai vu que du côté Behance, c'était plus les mêmes. Attends, où est-ce que vous êtes? J'ai deux écrans, je ne vais pas y arriver aujourd'hui. Je pense que c'est bon, alors du côté Behance, du coup, bonjour à Delphine, Franck, merci. Gauthier, vous arrivez tout doucement, n'hésitez pas si vous avez des questions pendant le live. Voilà. Et du côté YouTube, on a Mathieu, Christophe et bah, y a Alex qui va vous partager le lien pour nous rejoindre du côté Behance, où il y a plus gens. Mais oui, il y a bien plus de gens. Et petit bonus aussi, hein, moi je vais vous remettre aussi le petit lien, parce qu'on est toujours dans nos sessions Best of Max, je vais vous remettre le petit lien de toutes les sessions replay sur Max. Parce que c'est un bon gros truc qui nous arrive. Alors, je demande d'ailleurs, si ce n'est pas le moment pour Alexandre, de partager mon écran. Qu'est-ce que tu en dis, Alexandre? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire? Il y a Julien qui nous dit, c'est la première fois que je vous vois réunis en live. On en a fait alors, plein. Alors, c'est faux. On a fait plein de lives avec Pauline. On en a fait plein. Ah ouais. Mais il nous garde séparés maintenant, parce que sinon, c'est trop dangereux. La créativité qui... Oh, regarde, on peut faire ça. Le pire, c'est que c'est vrai. Donc, merci pour le partage d'écran, Alex. Donc, vous êtes chez moi, vous êtes dans le Creative Cloud. Et quand on parlait de 3D l'année dernière dans le Creative Cloud, ce qu'on faisait, c'est qu'on était en design graphique et on allait retrouver Dimension. Et Dimension, c'est une super appli qui marche fort bien parce qu'elle permet en fait de traduire, de poser des objets et de les mettre dans un environnement 3D. Et ça a été quelques années avec des trucs vraiment cool. Je sais, Pauline, je crois que tu avais regardé la session avec Jeannette Matthews dans les sessions d'Adobe Max et que tu avais vu notamment sa session sur les basiques de la 3D. C'est toi qui l'as regardé avec Alex, non? Cette session-là. C'est Alex, oui. Bah, ouais. Oh là, tu es en train de botter en touche. C'est pas beau. Hein. Je vous ai dit que je regarde beaucoup les sessions inspiration plus que technique. C'est votre travail, les sessions techniques. Les sessions techniques. Juste là, on a perdu un peu. T'inquiète, on l'a retrouvé et les gens qui sont arrivés là n'ont pas vu qu'il manquait quelqu'un. Sur les sessions, moi je vous recommande très 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 vivement la session L484 de Jeannette, parce que c'est vraiment une super session. C'est une session qui va vous donner du pas à pas. On n'est plus du tout dans Dimension, évidemment, même si les habitués de Dimension reconnaîtront le visage et la voix de Jeannette, mais on est sur Stager. Il ressemble énormément à ça. Et pour le coup, en fait, elle a détaillé intégralement le process
comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut faire avec, comment on va placer des éléments, comment ils vont se déplacer, etc. Et ça, c'est vraiment un truc qui est magique parce que vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle du placement de texture, du développement, du unwrap, comme si vous dépliez complètement les textures, les UV, donc les positions. Vous savez, quand on fait des maps, on faisait du X et Y. Là, on fait du UV quand on est dans un espace 3D. Et vous allez retrouver justement bah, toutes ces positions, tous ces placements, le fait de choisir par exemple, les premières lumières, la manière dont elle va éclairer sa scène pour qu'on arrive à retrouver les éléments, la manière dont elle va placer des textures, dont elle va poser les objets. Et vous verrez que les objets dans Stager, maintenant, ils se posent magiquement au sol et ils s'entrechoquent les uns avec les autres. Et ça, je pense que Vincent devrait vous en parler tout à l'heure. Ça qui Oui, va être. ben, il Oui. va arriver. Alors, du Oui. coup, attends, Okay. pour remettre les choses bien au clair à plat, c'est qu'avant, on avait les dimensions pour faire un peu le packaging, toutes ces choses-là, on avait fait plein de sessions là-dessus. Et là, la grosse nouveauté, c'est qu'il y a un nouveau logiciel qui est Stager. Et Tout à c'est fait. quoi la différence? On fait quoi dessus? C'est plus Alors, c'est compliqué, plus c'est plus avancé. avancé, en fait. En fait, ce qui s'est passé entre les deux, c'est que Dimension était plutôt a servi de prototype pour Stager. Donc, c'est une application qui a permis de construire un petit peu tout ça, de voir les besoins des utilisateurs, de voir d'implémenter les échanges entre Dimension et Photoshop ou Illustrator, par exemple. Ça a beaucoup servi à nos utilisateurs habituels. Et puis, comme on le voit ici, il y a un bouton dans Stager et Dimension qui permet d'envoyer Aéro, ouais. directement dans Aero. Et là, c'était un truc, c'était Ça, c'est cool. ouvrir à tous les designers, tous les graphistes, et je sais que tu en as profité aussi, de pouvoir travailler sur un univers 3D, ce qui n'était pas du tout des choses qu'ils savaient faire. C'est Ouais, rigolo parce que en fait, dans le chat, le but, c'est de... Ouais, c'est Ouais. ça, c'est de rendre la 3D accessible aux gens à qui ça fait peur, les logiciels de 3D. Exactement, dans le chat, c'est marrant, il y a Clément Vert qui est du côté YouTube. Clément, si tu peux cliquer sur le lien que j'ai mis pour retrouver pour un peu plus haut. Non, j'ai pas mis le lien. Pour retrouver le Behance, on va mettre le lien de Behance. Voyons. Tu pourras nous rejoindre du côté Behance, on pourra regarder les portfolios. Hop, vers Behance. Voilà, ce serait quand même beaucoup mieux là-bas. Et Clément nous disait, cette session va m'intéresser, j'essaye de créer une prévisualisation 3D d'un stand. Alors non seulement ça va t'intéresser cette session-là, mais en plus on va la développer beaucoup plus parce que j'ai Clément Piau qui vient du studio Clem à la fin du mois et qui va nous faire justement tout de la 3D, de la 3D pour les différentes applications, du carton plié, etc. Donc ça va être vraiment cool. Effectivement, on est sur des applications qui peuvent communiquer ensemble. Il y a des éléments dans Adobe Stock que vous allez pouvoir utiliser, que vous allez pouvoir placer de différentes manières. Je sais que Vincent en parlera bien mieux que moi. Effectivement, des utilisateurs débutants vont avoir beaucoup moins de problèmes que ce qu'il aurait pu y avoir auparavant parce que ouais, tout est beaucoup plus simple en fait. Tout est bien pensé. Et la différence entre Dimension et Stager, c'est que Dimension, il était. Tenez, je vais remettre un peu Pauline, sinon moi je ne la vois plus. Voilà. Dimension était vraiment basique. Et Stager a un nouveau moteur de rendu. Il y a des nouvelles possibilités dedans. Il y a beaucoup plus d'intégration avec les autres applications Substance. Et donc, on est vraiment sur un autre niveau d'application. Voilà pour le. Est-ce que tu peux nous rappeler, en fait, tu vois, on en parlait juste avant le live, moi c'était un peu confus, j'entendais substance, c'était dur et tout, et en fait, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a plein d'onglets verts dans tous les trucs que tu as téléchargés 3D, et pourquoi ça s'appelle substance? Voilà. Je Alors, pense que c'est bien de remettre un peu les bases à clair. ouais, t'as raison. Alors, ça s'appelle Substance parce qu'il y a une entreprise qui est française en plus. Donc, on va en profiter, qui s'appelle Allégorithmique, qui a été fondée à Clermont-Ferrand. Tu vois, c'est français de fin fond de loin de Paris. Et chez Allégorithmique, c'est Sébastien Deguy qui a trouvé une super manière en fait, d'organiser des textures pour pouvoir faire des rendus 3D. Donc, organiser des textures, je suppose, j'espère que vous le savez ou vous en avez au moins une petite idée en tout cas. Organiser des textures, ça veut dire, oh pardon, j'en ai plus besoin, ça veut dire poser l'une sur l'autre. Quand vous regardez par exemple bah, ce type de rendu sur Substance Painter, Ah, ok.
On va pouvoir poser, par exemple, la couleur de l'objet. Mais cet objet, il a une couleur, mais il a aussi de la réflectivité. Il va y avoir un aspect métallique dessus. Il y aura des endroits où il y aura des épaisseurs de matière. Et puis, les épaisseurs de matière, pour tous les gens qui ont fait du mélange 2D, 3D, vous savez que ça fonctionne différemment si vous avez un objet en plastique, si vous avez un objet en tissu, si vous avez un objet en métal, selon comment vous le tournez. Et puis, si vous regardez sur les bords des objets, parce que souvent, ce qu'on avait sur les textures 3D, c'était ce qu'on appelle du bump. Le bump, c'est juste un petit relief, mais c'est un faux relief. Donc, on ajoute ce qui s'appelle des normales. Et les normales, en fait, on continue de compléter l'empilement des couches. On retrouve des couches de matière qui vont gérer spécifiquement du métal ou des réflexions particulières ou des brillances, etc. Et toutes ces couches-là, en fait, ben, le boulot de substance designer au départ, c'était justement d'organiser ça et de donner aux utilisateurs un outil pour pouvoir le mettre en place. Et par la suite, donc... Okay. Ces textures ont été organisées. On a eu un outil qui s'appelait Painter. Donc là, c'est l'outil qu'on est en train de regarder qui vous permet, par exemple, de poser précisément les textures au bon endroit, de faire les dépliages. Alors, quand on fait des boîtes cubiques, c'est hyper facile, en fait. C'est un dépliage et tu dis, ben voilà, là, j'ai telle face, telle autre face, c'est simple. Mais quand vous faites des patins à roulettes, que vous avez des logos sur vos patins à roulettes, etc., là, vous avez besoin d'un outil directement sur les objets en 3D. Ah, ça, c'est cool. Ça, c'est très, très cool. Et c'est complètement magique. Mais là, c'est pour ça que je vous dis ça. On va le garder. On va garder un petit peu de matière pour Vincent tout à l'heure. Par contre, ce qui est sûr, c'est que du coup, là-dedans, vous avez ces questions d'empilement de textures, vous avez ces questions de fabrication de textures. Et toute substance a été fabriquée autour de ça, autour d'un rendu réalistique. C'est utilisé dans plein de domaines, du jeu vidéo, au cinéma et autres. Je crois qu'ils sont leaders sur tous les très gros jeux, sur tous les très gros jeux vidéo, les AAA. Okay. C'était genre 90% ou 95% des jeux qui étaient faits avec des textures substances. Donc, c'est vraiment du gros outil. Donc, en fait, on a accès à cette bibliothèque énorme de textures et on peut en faire nous-mêmes aussi. Et alors, non seulement on peut en faire nous-mêmes, mais je vais vous chercher une application que vous connaissez bien. Vous connaissez tous Illustrator. Oui. C'est bon? Petit sondage dans le chat. Illustrator, c'est bon? Ouais. Okay. Je vais faire un nouveau fichier dans Illustrator. Question aussi, est-ce que les gens ont vu la session de lundi sur la session graphisme? Parce que je vous ai fait un micro-aperçu de ce qu'on pouvait faire sur la session graphisme lundi matin avec Illustrator. Et donc, j'ai mon fichier qui est là. Et on a rajouté une fonction qui est assez folle dans Illustrator. Par exemple, je prends mon outil texte. De d'habitude, je vais écrire Pauline. Voilà. Donc, moi, ça fait 3 jours que je m'amuse à faire des cubes. Voilà. Tu fais des cubes, mais il faut faire des lettres. C'est ça qui est le plus drôle. Pourquoi non? Oui, mais je sais pas, tu vois, un truc brutaliste, un peu dark, tu vois, comme ça, je ne sais pas. Hein. Alors, regarde, un truc brutaliste, un peu dark. J'écris Pauline. Ouais. Du coup, on a des mots avec des petites couleurs et des calligraphies. Moi, je suis là, non, je veux faire des cubes et des blocs. Ok, mais pas de problème. Mais du coup, je passe dans mes propriétés. Et dans mes propriétés de texte, je vais aller choisir une typo un peu plus adaptée à du brutaliste dark. Je vais regarder dans les filtres et je vais aller chercher, on va chercher du décoratif parce que c'est plutôt là. Il y a beaucoup de trucs un peu bizarres, mais là, regarde. L'étrange, ouais. Ouais, tu vois, des trucs comme ça. C'est rigolo, ça. Ouais. Ça boucherie, c'est ma typo favorite de l'année dernière. Rien que pour le nom, j'avoue. Parce qu'il y a boucherie et il y a charcuterie. Mais c'est trop bien. Je l'ai déjà utilisé dans un live, vous pourrez retrouver ça, il faudra aller chercher. Donc, par exemple, vous prenez Pauline, vous lui mettez une typo un peu fun. Jusqu'à présent, dans Illustrator, en fait, vous pouviez passer dans le menu fenêtre, vous aviez un menu effet 3D et matière, et vous aviez la 3D classique. Et ça, je l'ai déjà montré. Il était un peu... Il fallait être motivé. Je m'en servais souvent, mais il fallait être un peu motivé quand même. Hein. Ouais, alors motivé, je ne sais pas, mais tu vois, là, par exemple, si je dis que Pauline, on va te mettre en rouge. On va te mettre en rouge. Je pouvais fabriquer de la 3D et je pouvais lui demander dans les effets. Donc, ça se trouvait dans les aspects. Hein. Je pouvais lui demander de gérer l'extrusion, etc. Et ce qu'il y avait de rigolo là-dedans,
c'est que quand j'avais terminé mon texte 3D, je pouvais prendre ce texte. Ça prend du temps quand même, Écrire mine de une rien, autre c'était fois. pas. Et je pouvais lui demander clic droit dessus, je pouvais vectoriser le texte, et en plus, je pouvais, dans le menu objet, décomposer l'aspect de ce texte. Et là, j'avais de la 3D en vectoriel. Donc, La pour les 3D gens plate, qui. La 3D plate. Et de la 3D utilisable bah, par des centaines de milliers de graphistes pendant des années. Donc ça, c'est cool. Mais ce qu'ils ont rajouté cette année, qui est encore plus cool, et c'est pour ça qu'on voit Et du coup, qu'on ils se a. sont pas débarrassés de l'ancienne option. Mais Ils ont non, parce gardé que les moi, je deux. m'en sers. Moi, je Ça, m'en c'est sers. Je connais cool. des tas de gens qui s'en servent. Et ils essayent de ne pas déprécier les anciennes fonctions quand elles peuvent être utiles et quand elles n'ont pas été réellement remplacées par. Tu vois, c'est pas le même moteur. Et Ouais, c'est du coup, ça, par c'est pas la même exemple, chose. sur Ok. le nouveau Pauline, eh bien, je peux aller chercher dans les effets la 3D, la matière. Et là, j'ai à nouveau extrusion, révolution, etc. Au-dessus, là où on avait 3D classique, là, on a extrusion et biseau. On a le même titre. Mais là, on a un petit panneau 3D. Vous allez me dire, oui, ok, pour l'instant, on ne voit pas trop la différence. Vous allez peut-être voir la différence parce que quand je mets 600 pixels, il va beaucoup plus vite à recalculer que ce qu'il avait il y a 2 secondes. Mais là où ça va devenir vraiment cool. Regardez, je vais appuyer ici sur. On a un petit bouton. Ça ne sert à rien que je fasse des zooms. Vous ne les verrez pas. On a un petit bouton ici, rendre avec le lancer de rayon. Et quand je fais le rendu avec le lancer de rayon, eh bien, ma petite 3D toute plate de tout à l'heure, elle commence à devenir de la vraie 3D pixel. Et non seulement Ouais. elle devient de la vraie 3D pixel, mais sur la 3D pixel, hop, on va le désactiver 2 secondes, sinon ma machine va exploser. Je vais pouvoir lui demander, par exemple, de changer l'éclairage. Là, j'ai un éclairage standard sur lequel il n'y a pas d'ombre. Je peux lui dire, mais je veux de l'ombre. Et Et est-ce avant, on que. pouvait pas changer l'éclairage, on était coincé avec juste notre 3D. Alors, si, on pouvait changer Mais l'éclairage dessus, avant tu m'as sur dit le que c'était module moins. d'avant. C'est-à-dire que je pouvais prendre donc ce contenu-là, je pouvais prendre le moteur et lui dire bah, j'aimerais bien, hop, on va demander plus d'options. Voilà, pardon. Et je pouvais changer la lumière, je pouvais rajouter une lumière si j'en avais besoin. Je pouvais mettre ma lumière derrière si je le souhaitais et si ça m'aidait pour le rendu. Je pouvais choisir si le rendu de la lumière aurait été plutôt plastique ou plus complexe. Là, j'ai un ombrage plastique, mais je pourrais avoir un ombrage diffus dessus et j'aurais eu un rendu différent. Je pouvais changer, je ne sais plus si je pouvais changer la couleur de la lumière. Je pouvais changer la couleur des ombres de la lumière. Par exemple, j'aurais voulu du rouge et une ombre qui soit bleu foncé. Hop, ben j'aurais dit, OK, on change la couleur de l'ombre sur Ok. l'ensemble de l'image. Et là, vous Oui, voyez ça qu'il fait un peu moins. ouais, il se passait déjà plein de trucs. Ça, c'était déjà pas mal. Mais là, maintenant, par exemple, Pauline est plaquée contre le mur. Mais je pourrais plaquer Pauline au sol, mettre l'ombre sous l'objet. Bizarre. Ouais, Ouais, je sais, j'aime bien dire des trucs un peu fous. je C'est le gros avantage d'être sur vois. les directs comme ça. Hop, donc je mets la lumière, je peux choisir son intensité, je peux choisir la rotation de mon ombre, donc on va la faire passer au-dessus, je peux choisir la hauteur éventuellement, et je peux choisir bah, la diffusion, l'adoucissement de l'ombre. Et puis il se passait un truc dans Substance, c'est que si je mets si dans Illustrator, c'est qu'au bout d'un moment, mon ombre est coupée. Je vais dire oui, mais en fait, je veux une ombre qui aille plus loin. Donc hop, on va pousser l'ombre, et derrière, je demande le rendu réaliste. Hop, lancer de rayon. Et là, il va me recalculer tout ça. Il calcule l'effet, il calcule le rendu de l'ombre et de la matière, de l'effet 3D matière. Et là, on commence à avoir un truc qui est vraiment cool. Donc là, on va pouvoir gérer la couleur de la lumière, on va pouvoir retravailler un petit peu l'intensité. Je peux retravailler évidemment le placement de la 3D. Alors, tout ce qui est placement de 3D, j'ai tendance à le faire sans le lancer de rayon, histoire de laisser respirer la machine, parce qu'on est quand même un peu sympa. Mais là, on est vraiment sur des rendus qui sont très réalistes. On a Delphine qui nous dit, Franck, c'est le roi de l'impro. La Ouais. maîtrise totale. Ouais, complètement. Mais non, mais on a bossé un peu quand même avant. On a eu quoi? Carrément, On ouais. a eu 28 minutes. C'est parfait, non? Du coup, ce qu'il y a aussi là-dedans, c'est que j'ai accès à des matières. Et les matières, bah, c'est justement toute la force de la partie substance qui fait partie de nos outils. C'est que je vais retrouver donc certains matériaux Adobe Substance que je vais pouvoir plaquer sur mon objet Illustrator. Donc, par exemple, je vais rajouter, alors comme on est avec Pauline, on va mettre des lentilles de la plaque en tôle. Je ne sais pas ce que ça veut dire.
mais ça ressemble tout à fait au genre de truc qu'on pourrait mettre chez toi. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on est sur des substances, des textures substances. Donc, par exemple, je vais pouvoir changer. Alors là, faut que je descende loin. Vous rendez bien compte. Il y a un paquet d'options parce que toutes les options, en fait, elles sont. J'ai des options qui sont accessibles et tout. Genre la largeur des barres. Hop, on va réduire la largeur des barres. Et là, hop, les barres vont être un petit peu plus larges. Oui, selon la texture que vous choisissez, il n'y a pas tout le temps le même nombre d'options, en fait. Exactement. La mosaïque de motifs, là, j'ai 5 répétitions. Je peux dire que je vais avoir 10 répétitions. Dedans, la couleur du motif, je peux changer dessus. Donc là, on a la position qui est mise en place. Mais derrière, là, ça devient fou. C'est que je peux avoir des variations de la couleur de l'acier. Si vous êtes un métro lorsqu'il vient de sortir d'usine, ou au contraire, un métro qui a été un peu utilisé. Les irrégularités dans l'acier en question, la rugosité de cet acier, la variation de la rugosité. Parce que pour l'instant, j'ai de la rugosité à un endroit. Juste les bidouiller et voir ce que ça fait, on est d'accord. Et si on est en fin de journée, on a de l'impureté dans cet acier. Et si on est vraiment en fin de journée, on a des oxydations en fin de vie du truc. Et là, on commence à retrouver sur ton truc brutaliste d'arc que tu voulais au début. Et ouais, bah oui, c'était ça que tu me demandais, non ? Ouais, bah, carrément. Et est-ce qu'on peut rajouter nos propres textures ? Ouais, tu vas pouvoir rajouter tes propres textures. Parce que de toute façon, tu as accès à toutes les matières. Alors ça, je l'ai montré avec l'ombre. Je vais le montrer avec l'éclairage et le rendu 3D. Il va calculer. Là, on calcule, tu vois, j'ai repris les mêmes réglages, les mêmes contenus. Et on a accès à tout le reste de ce rendu, tous les petits détails en termes de lumière. Et cet objet-là, en fait, le truc que je vais pouvoir faire, et moi, je trouve ça complètement ouf, c'est que je vais pouvoir sélectionner le mot. Je vais pouvoir passer dans mon panneau. Alors, je ne sais pas si vous avez tous vu, dans le menu fenêtre d'Illustrator, vous avez exportation de fichiers. C'est le petit panneau que je viens de fermer, c'était pas malin. Hop, vous avez le panneau exportation de fichiers, et vous allez faire petit plus, et je vais rajouter. Le fichier s'appelle Pauline maintenant. Pauline Brutaliste. Ça va être mon pseudo. Ouais, c'est un bon pseudo. Et ce panneau-là, en fait, il me permettait d'exporter, par exemple, au format. J'aurais bien aimé exporter au format PNG, mais je peux exporter au format OBJ, qui est un format 3D. Donc, on va lui dire OK, on prend le contenu, on exporte. On va sur le bureau, et sur le bureau, je vais tout simplement exporter mes deux bouts de fichiers. C'est-à-dire que d'un côté, je vais avoir voilà, les fenêtres vont sauter ou les fenêtres ne vont pas sauter ? Pas encore. D'un côté, je vais avoir un rendu donc de la 3D, qui est le fameux rendu PNG. Là, si ça me suffit en termes de rendu, c'est cool. Mais d'un autre côté, je vais avoir un rendu OBJ. Et le rendu OBJ, je vais retrouver en fait mon élément. Okay. Je ne vais pas retrouver forcément. OBJ, ouais. Tu peux l'importer dans After Effects, faire des trucs, tourner autour. Et, tu peux l'importer dans After Effects, mais tu peux l'importer dans Stager ou dans Dimension. Et c'est là que Vincent va pouvoir tranquillement rentrer en scène dans quelques minutes. Si il est en place, parce que j'ai une bonne nouvelle. Alexandre a été décalé, mais Vincent est là. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On profite de la tête d'Alexandre, on profite de la tête de Vincent, et moi, je vous laisse tranquille. Alors, on laisse Alexandre nous régler tout ça. Ça va prendre quelques minutes. Bah, merci Franck d'avoir sauvé la première partie de la session, et on a appris plein de trucs. C'est super cool. Ouais. Si vous voulez repasser sur ça, vous n'hésitez pas. Lundi, la session de lundi qu'on avait fait avant la session de Jean-Loup, je vous ai fait un petit tour où on est allé à l'intérieur de substances. On est allé à l'intérieur de substances où je l'ai rêvé. Et on est allé poser justement cet objet, petit plus, importé dans la scène et importé mon modèle 3D qui est sur le bureau, Pauline Brutaliste. Et Pauline est arrivée à l'intérieur de substances. Et là, on fait des trucs mais complètement ouf parce qu'on peut la poser sur le sol et on peut éclairer Pauline en lancer de rayon et poser n'importe quel modèle. Modéliser dans substances ? Tu peux croiser des objets. Mais là, je pense que c'est une question pour Vincent. Ouais. T'es avec nous, je voulais voir en fait, je me suis dit, je vais arriver un petit peu en retard pour voir comment tu travailles sous pression. Et c'est plutôt bien. Bravo. La pression, mais quelle pression ? Alors voilà, petite règle pour toutes les live streamers, ne prévoyez pas d'aller chercher ou déposer votre belle-mère à un aéroport le jour d'un stream. C'est important.
Et surtout quand vous pensez que le stream est une heure plus tard. Donc, toutes mes excuses à tout le monde. Et alors, pour ce qui concerne, est-ce qu'on peut modéliser? Oui, tu peux commencer. On a implémenté du modeling procédural dans Substance Designer, c'est-à-dire à partir de nœuds. Tu peux commencer à prendre un nœud, par exemple un premier nœud qui va définir une sphère, ensuite déformer cette sphère, ensuite faire ce que tu veux avec cette sphère. Et je vais en parler juste après. Il y a un nouveau soft qui est en bêta fermée, qui s'appelle Modeler, et donc qui permet de modeler effectivement. Mais je vais en parler dans la présentation. Je ne sais pas si on voit déjà mon écran ou pas, en fait. On ne voit pas encore ton écran. D'accord, c'est pas grave. Je vais vous laisser vous installer tranquillou. Je vais laisser Alexandre faire les petites bidouilles et je vais faire une petite transition. Du coup, merci Franck d'avoir sauvé le truc. Je ne sais pas. Merci beaucoup Franck. Mais de rien, avec grand plaisir. Allez, tu disparais. Bye bye. Je vais te départager ton écran. Au revoir Franck, merci encore. Et on a besoin du coup que tu nous partages ton écran, Vincent. Donc je vous laisse gérer oui. Ça. Ah, excuse-moi, il faut que je le fasse dans ici, écran partagé. Vous ne pouvez pas démarrer le partage pendant que notre participant partage. Ouais, il faut que je le fasse. Voilà, je vais devoir pouvoir. Voilà. Alors, partager tout l'écran, tu vas me dire, parce que j'ai pas de double écran ici. Est-ce que là, tu vois ma présentation? Oui, parfait. Yes. Parfait. Bon, et ben, il va falloir tout faire rentrer dans 32 minutes maintenant. Facile. Ça tombe bien parce que je n'ai pas de démo direct, ça va être plus des vidéos. Et donc, c'est parti. Donc, pour ceux qui ne m'ont pas vu au dernier live stream il y a un mois et demi à peu près, je suis Vincent Gault. Je suis artiste technique et community manager pour l'équipe Substance 3D. Donc voilà, tous les outils globalement qui concernent la 3D chez Adobe. Et qui grossit beaucoup. Alors, pour faire, qu'est-ce qu'on a fait à Max? Alors, au niveau des... On a eu pas mal de sessions, en fait, différentes pour présenter, en fait, pour nous, en fait, Adobe Max, Creative Cloud, la majorité, c'est un nouveau public, donc c'était beaucoup des sessions d'introduction. C'est quoi nos produits? Qu'est-ce qu'on fait? On a eu Janet Matthews qui s'occupe de Stager, qui nous a fait une belle présentation. C'est un peu la star à chaque fois. Elle a eu plusieurs milliers de personnes qui ont regardé. On a Wes qui est la star Substance 3D, qui a fait beaucoup des vidéos tutoriels. Maintenant, il fait encore beaucoup de contenu et des présentations comme celle-ci. On a eu Valeria qui est Product Manager sur Substance Painter. Lorenz, qui est un spécialiste qui s'occupe de tout le contenu éducatif. Bref, on a eu pas mal de sessions et on a aussi des partenaires. Donc, on a eu Gériste qui a fait une super présentation. C'est quelqu'un qui est très fort avec Substance Painter, Substance 3D Painter et qui base beaucoup de son style sur l'art africain. Donc, c'est très rafraîchissant, c'est vraiment très sympa. On a eu Kiva qui fait beaucoup de choses aussi. Et aussi INDG, bref, plusieurs sessions. On n'a pas eu d'annonce dédiée, mais on va en profiter ici pour montrer un petit peu les dernières nouveautés. Donc, comme Franck a dû le dire, l'offre est composée de ces cinq outils, sachant que Modeler est toujours en bêta, comme on disait. Donc, le premier, c'est Painter. Donc, Painter, c'est pour peindre et texturer en 3D. Donc, c'est avec un système de calque qui ressemble à Photoshop. C'est non destructif, c'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, on peut revenir à une étape. À quasiment n'importe quel moment, on peut revenir à une étape et changer d'avis. Et c'est un peu une philosophie qu'on a chez Substance. On essaye de s'assurer que bah, si, par exemple, tu changes d'avis sur une couleur, sur un matériel, bah, tu puisses le changer, en fait. Tu n'es pas bloqué en disant « mince, j'ai collapsé mes calques et là, ça y est, je suis mort, je dois juste pleurer des larmes de sang parce que je dois tout refaire de zéro. » Et on a aussi un système, enfin, ça comprend beaucoup de choses, mais on a un système de ce qu'on appelle le smart material. Alors, je n'ai pas traduit, on va dire matériel intelligent, mais en gros, pour expliquer, ça tient compte de la forme de l'objet pour appliquer des matériaux. Par exemple, si vous faites une table ou un objet, une pierre avec de la neige, bah, vous voulez que la neige elle soit au-dessus, évidemment, et pas en dessous. Donc, ça, on est capable, en fait, en combinant Substance Designer, Substance Painter, on est capable, par exemple, de créer dans Designer des matériaux intelligents, mais aussi dans Painter, et les appliquer directement sur l'objet, et évidemment, les réutiliser. Donc, c'est un gros gain de temps pour l'artiste. Donc, les nouveautés qu'on a eues dernièrement pour Substance Painter, on a eu ce qu'on appelle en anglais le 3D Warp, alors le déformeur 3D, on va dire. En fait, c'était quelque chose...
En fait, Substance existait déjà avant, mais là, la particularité, c'est qu'il a fusionné avec Adobe, c'est ça. Voilà, alors en fait, pour Oui. refaire la petite histoire, Algorithmique était une boîte française fondée en 2003 en Auvergne, le bon pays du fromage. Et donc, en fait, effectivement, on était racheté. Alors, rachat, pour éviter tout débat, trolling, etc., c'était un rachat tout à fait amical et désiré, hein. Ce n'était pas quelque chose d'agressif ou quoi que ce soit. Et donc, en fait, on a rejoint effectivement les rangs d'Adobe en janvier 2019. Donc, on avait toute une série d'outils qui existaient. On avait Substance Designer, Substance Painter, Substance Alchimiste, qui ont été renommés Substance 3D Designer, Substance 3D Painter et Substance 3D D'accord. Sampler. Et maintenant, ils ont Alors, un pourquoi? petit logo vert pour Ouais, aller voilà, qui fait beaucoup de débats, hein, on va dire. Mais bon, ça. Je comprends. Alors moi, en plus, ça m'arrange pas parce que j'ai une quinzaine de t-shirts Substance avec le S. Donc maintenant, ils sont tous vendus à l'état de pyjama. Mais du coup, ça permet surtout d'harmoniser avec les autres outils créatifs d'Adobe. Mais c'est une des raisons, d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui nous disent pourquoi ce n'est pas dans l'offre Creative Cloud. Bah, tout simplement parce que ça existait avant. Donc, D'accord. c'est pas, on n'a pas augmenté des prix ou changé des prix. Au contraire, même l'offre texturing, il y a plus de contenu pour le même prix. Et on a rajouté une nouvelle offre Substance Collection qui rajoute Stager et qui va rajouter Modeler dedans. Donc, on nous a demandé pourquoi ce n'est pas dans l'offre Creative Cloud. Bah, tout simplement parce que si on avait dû la mettre dans l'offre Creative Cloud, bah, ça aurait sûrement eu un impact sur le prix. Et sachant qu'aujourd'hui, bah, ce n'est pas encore tout le monde qui utilise ces outils. Donc, ça n'aurait pas été très fair-play pour ceux qui ne sont pas encore dans la 3D. Donc, comme ça, on laisse le choix. Les Okay. personnes qui veulent s'y mettre, les outils sont là. Il y a plusieurs offres. Donc, ça, c'est cool. Et donc, ça, cette fonction, c'était une de celles qui a été demandée pendant longtemps. C'est une projection de texture, mais en fait, on peut envelopper et éditer la projection. Donc, on nous a demandé ça pendant des années. C'était, je crois, la demande numéro 1 ou 2. Donc, voilà, c'est là depuis peu, depuis la 7.3. Donc, on voit tout de suite. Qu'est-ce qu'on a rajouté d'autre? On a rajouté aussi une projection cylindrique. Bah, tout simplement, quand on a un objet cylindrique comme un pot de peinture, bah, ça permet d'envelopper encore une fois. Donc, c'est des concepts qui sont nouveaux, je pense, pour beaucoup d'artistes 2D. Mais voilà, il faut penser en 3D, c'est-à-dire il faut vraiment penser que là, on peut tourner autour de l'objet. Donc ça demande aussi des nouvelles fonctionnalités que, bah, dont, à première vue, pour un utilisateur Photoshop, il pourrait dire, tiens, je ne vois pas pourquoi. Mais en fait, une fois qu'on est rentré dans la 3D, ça offre beaucoup plus de possibilités. Notamment, par exemple, pour un objet comme ça permet de tourner autour, ce qui est beaucoup plus difficile en 2D Ah, si et puis on en n'a plus, pas la. maintenant que tout est intégré, il y a la possibilité de faire aéro avec la réalité augmentée, tout ça. Donc du coup, maintenant, tout est... Ouais, Ouais. on peut faire ça. Je parle de Stager, je crois qu'on peut encore, oui, on peut renvoyer vers Aero. Donc, tout ce qui est 3D, et c'est une des raisons pour laquelle en fait Adobe nous avait approché à l'époque, pardon, c'est que on pense vraiment que la 3D va prendre de plus en plus de place dans tous les pipelines créatifs, et notamment les graphic designers. C'est déjà le cas dans tout ce qui est design de produits, packaging. Et on pense que c'est une tendance qui va encore augmenter dans les prochaines années. Et donc, bah, nous, on avait les produits, Adobe avait les besoins, et surtout, nous, on avait envie de développer encore plus de choses. Et c'est vrai que bah, en rejoignant Adobe, ça nous permet d'avoir une structure énorme et des moyens beaucoup plus sûrs, on va dire. Donc, du coup, bah, voilà, en faisant ça, on peut développer Modeler, on peut lancer un nouveau produit, on peut mettre plus de développeurs. Stager, par exemple, on a mis beaucoup plus de personnes dessus, on peut mettre beaucoup plus de ressources, mais c'est vraiment quelque chose qu'on prend très au sérieux pour toucher un peu tous les marchés qui vont avoir besoin de la 3D, en fait. On était surtout présent sur le jeu vidéo et le VFX et l'architecture. Mais là, on s'étend vraiment à tout et bah, c'est génial parce que c'est des besoins différents. Ouais, c'est Donc vrai. ça, c'est très bien. Je vois même des photographes qui se mettent à la 3D pour les fonds, en fait. Tu Ouais. vois, ils mettent quelqu'un sur une table bidon et en fait, ils font tout le décor en 3D. Ça se fait de plus en plus. C'est dingue. Exactement. Bah, d'ailleurs, c'est un concept qu'on lance, enfin, que Photoshop pousse et nous aussi, c'est qui va s'appeler la photographie virtuelle. On va en parler un petit peu plus tard dans la Ouais. présentation. Mais. Alors, donc une pipette. Alors, on avait un color picker un peu vieillot avant, et surtout en rejoignant Adobe, ça faisait un petit peu tache. Donc, on l'a revu
Et là, voilà, on a un color picker qui va encore évoluer, mais déjà qui permet de travailler comment s'attendre à évoluer. Sachant que ce qui est marrant en 3D, c'est que surtout sur les matériaux, c'est qu'on souvent on veut pas juste faire une pipette d'une couleur, mais parfois de tout un matériel. Donc, il comprend plusieurs informations, pas juste de la couleur, c'est la réflexion. Est-ce que c'est mat, est-ce que c'est brillant. Donc voilà, on a plusieurs moyens. Mais là, c'est vraiment pour la couleur et ça manquait. Donc maintenant, ça c'est résolu. Donc, on parlait justement de Substance 3D Designer qui permet vraiment c'est vraiment le cœur du système Substance. Ça permet de créer les matériaux procéduraux avec des paramètres intelligents qui vont pouvoir être utilisés ailleurs. Et depuis cette année, de créer aussi des objets 3D, des modèles 3D. Donc là, par exemple, on a un exemple de matériel. Tout ce qu'on voit là, c'est un matériel, c'est-à-dire même les poutres. En fait, les informations sont contenues dans le matériel et ça va déplacer. En fait, on a comme une plaque en 3D avec beaucoup de textures, de carrés, les polygones, on appelle ça. Et en fait, ça va déformer la plaque et donc donner ça. Mais depuis peu, on a aussi fait des modèles en 3D. Donc là, c'est de la géométrie, par contre. C'est-à-dire, c'est un artiste qui s'appelle Sino qui travaille avec nous. Une grosse brute et qui fait tous ces objets en fait, donc il se fait sa petite maison en procédural. Et l'avantage, alors là, je vais pas dire inconvénient, mais ça prend un investissement de temps au départ, c'est à dire qu'évidemment c'est moins rapide au départ que de faire le mur simplement. Mais l'avantage, c'est que étant donné que c'est procédural, il peut exposer tous ses paramètres, on va dire combien il y a de fenêtres, la couleur des volets, le placement. Si on change la taille du mur, ça va faire directement rajouter les étages. Donc, l'investissement de temps qu'on a au départ est vite rentabilisé. C'était d'ailleurs le cas pour Substance Designer pour les matériaux. Ça prend plus de temps que de... Avant, on faisait les matériaux dans Photoshop, même si ce n'était pas vraiment fait pour. Donc, ça marchait une fois, mais si le directeur artistique changeait d'avis, je sais que ça n'arrive jamais, un directeur artistique ne change jamais d'avis, mais... Soyons fous, imaginons. Et du coup, il nous dit, tu sais quoi, finalement, j'aimerais plus de rouille. Bah, avant, on était obligé de retourner dans Photoshop ou ailleurs, rajouter plus de rouge, réexporter, montrer, ça te plaît. Ah non, finalement, c'était mieux si tu peux trouver entre les deux. Donc là, en fait, ce qu'on peut faire, c'est un paramètre de rouille qu'on va exposer et qui va se mettre aux bons endroits. Donc là, il a fait la même chose avec de la géométrie. Et ça, c'est pareil, on y croit vraiment énormément. On travaille beaucoup dessus, ça va encore s'améliorer. Mais c'est déjà, ça permet de faire des choses assez, assez fantastiques. Dans Sampler, quelles sont les dernières nouveautés? Alors, pour rappel, Sampler, ça vous permet en fait de digitaliser un petit peu le monde qui vous entoure, soit les matériaux, c'est-à-dire par exemple à partir d'une photo et un petit peu de magie dans Substance Sampler et d'intelligence artificielle, on est capable de recréer les différentes informations nécessaires à la reconstruction d'un matériel. Et on peut aussi le faire pour des lumières. C'est-à-dire, si vous savez, il y a maintenant, soit avec un appareil photo, soit avec des appareils photo spéciaux, on peut prendre une photo d'un environnement à 360 degrés. Et ouais. Ensuite, on peut servir de cette image pour illuminer une scène, par exemple. C'est comme ça que ça marche dans la plupart des outils 3D aujourd'hui. C'est-à-dire, on sert d'un environnement pour illuminer une scène. Donc ça, Substance 3D Sampler permet de le faire. Et on peut aussi prendre des matériaux qu'on a digitalisés et les mélanger avec d'autres matériaux et s'en servir vraiment pour... voilà, par exemple, je prends ces rochers. Bah tiens, là, je vais rajouter les feuilles. Elles ont été rajoutées après. Et puis, je pourrais dire, tiens, je vais rajouter de la boue et puis de la neige. Donc, ça, c'est quelque chose de tout à fait possible. Et de manière très intuitive, parce que ça marche aussi avec un système de calque comme dans Photoshop, par exemple, ou Substance 3D Painter. C'est juste des photos qu'on peut prendre avec notre téléphone? Ouais, tu peux prendre, tu vas dehors, idéalement un jour ensoleillé, c'est très romantique, et tu prends une photo juste au-dessus de ce que tu veux prendre en photo, tu fais un mètre à peu près, tu envoies la photo, et s'il a les bonnes informations, normalement il va être capable de reconstruire. On a plusieurs filtres, ce sera peut-être un jour, on fera peut-être une session dédiée à ça, mais en fait, on a plusieurs filtres qui permettent de faire répéter le matériel, parce que c'est important de pouvoir se répéter sur une surface, d'ajuster la couleur. Et après, voilà ce que tu vois à droite, c'était la photo d'origine, je pense. Et à gauche, c'est le matériel généré à partir de ça. Donc oui, même avec un téléphone, tu peux prendre ton smartphone. Il n'y a pas besoin, aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'un équipement de folie pour le faire. Après, tu vas aller vraiment dans le détail pour le cinéma, effectivement, il va falloir un peu plus de matériel. Mais déjà, pour couvrir 80% des besoins, ça marche sans problème. Ouais, et c'est vraiment la portée de tout. Oui, c'est ça.
Donc, qu'est-ce qu'on a rajouté? Alors, pour les utilisateurs Creative Cloud, on a rajouté des fonctions pour envoyer une image de sampler dans Photoshop. Donc, pour profiter de toutes les fonctionnalités de Photoshop. Par exemple, là, il a pris une diffuse. Il a dit, tiens, j'ai mis un petit filtre. J'ai fait un petit masque, puis je fais juste ça. Et paf, il va le sauver et il renvoie. C'est Guillaume Meyer, je pense, qui a fait ça, un artiste maison. Et ensuite, tu vois, tu le renvoies et dans Stagger, tu l'as. Donc, ça permet, encore une fois, tu n'as pas besoin de tout réapprendre. Si tu connais Photoshop, tu peux très bien prendre ton pattern de base, l'envoyer, le modifier et le rebalancer dans Sampler. Et ça marche sans souci. On a pensé à Photoshop, mais on a aussi pensé à Illustrator, on a rajouté deux petites fonctionnalités. Premièrement, tu peux maintenant envoyer un format SVG dans Illustrator. Donc, voilà, par exemple, on prend celui-là, le modifier, modification. Si c'est du SVG, ça va marcher. Paf, tu le sauves et encore une fois, tu auras les mêmes modifications. Et ça vient tout seul. Ouais. Ouais, donc ça, c'est pareil, ça t'évite de réinventer la roue. Si tu connais, si tu as 15 ans de bouteille avec Illustrator, bah, autant t'en servir. Moi, je suis une bille avec Illustrator, mais je sais. Voilà. Et donc, tu peux faire aussi le contraire. Donc, tu peux exporter. Tu peux exporter de Illustrator, c'est pour montrer, hein, j'aurais dû mettre les slides dans l'autre sens, les diapositives dans l'autre sens, mais voilà, tu peux envoyer un SVG. Ouais, créer un truc dans Illustrator et en faire une texture. Ok, c'est voilà, fou. Exactement. Donc ça, ouais, très intéressant pour les designs de produits, packaging, etc. Parce que c'est on essaye quand on fait des outils, quels qu'ils soient, qui s'intègrent dans un pipeline. La 3D, c'est rarement. C'est vrai que si on prend Adobe, en général, on est capable de tourner avec Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign et rester, j'allais dire, en pipeline fermé. En 3D, on n'en est pas là et on ne recherche pas spécialement ça. C'est très important de collaborer parce que on ne sait pas où va finir le rendu final finalement. Ça peut être dans un moteur de jeu comme Unreal ou Unity, ça peut être dans After Effects. On ne sait pas, ça peut être à plein d'endroits. Donc l'important, c'est surtout de s'insérer de manière agréable dans un pipeline de travail et de ne pas changer ça. Désolé, j'utilise pas mal d'anglicisme. J'ai vécu pas mal d'années au Québec, c'est là où j'ai appris. De précision, mais de toute façon je pense que là c'est aussi pour vous présenter ce qui a été lancé la semaine dernière parce que c'est un énorme truc et de toute façon on va vous faire des sessions dessus pour tout expliquer comment ça va marcher et tout, enfin, vous savez. Exactement. On fait des lives tous les jours donc il y aura l'occasion de reparler si vous voulez vraiment apprendre à vous en servir et je bien, ne serai quoi. Pas en retard à chaque fois. C'est fou qu'ils en aient bien sorti, hein, tu vois. Une nouvelle pipette, pareil, je ne vais pas revenir dessus. Hein, on a rajouté ça aussi dans une petite vidéo qui s'en fait automatiquement. Voilà, donc pareil, histoire de se mettre à niveau. Celle-là, on avait une. Juste avant, on avait une pipette je pense que le Museum Windows aurait été fier de nous. Hein, parce que c'est vraiment, fou qu'elle n'existait pas, en fait. C'est rigolo. Alors, elle existait, mais en fait, on prend beaucoup le feedback de nos utilisateurs, évidemment. Et c'est juste une question de priorité après. Donc, on s'est retrouvé à avoir. On veut ça d'abord, et puis bon, à un moment, la pipette est montée, et puis bon, on s'est tous mis un peu d'accord, tous les softs, c'est un peu commun. Donc, on essaie aussi d'harmoniser, c'est-à-dire qu'on sort ça, on essaye que celle de Substance 3D Painter ressemble à celle de Sampler, etc. Donc, petit à petit, ça vient, mais bon, on a toujours des choses à faire. Ah ben voilà, j'ai la vidéo finalement. Bon, on va passer à la slide suivante. On a aussi ce que j'appelle un meilleur transport de matériel. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est s'assurer, en fait, on a quelque chose qui s'appelle ASM. Donc, si je me trompe, c'est en fait la définition de comment marchent les matériaux dans nos applications. Adobe standard matériel, je pense, si je ne me trompe pas. Et en fait, c'est juste une définition. Donc, ce n'est pas un nouveau système de matériaux, etc. Mais ça permet d'expliquer, voilà, nous, c'est comme ça qu'on gère la couleur de base. C'est comme ça qu'on gère la transparence. C'est comme ça qu'on gère... Donc, comme ça permet de mieux, déjà en interne, de mieux communiquer entre les applications et de s'assurer, par exemple, que, par exemple, entre Sampler, le matériel créé à gauche dans Sampler et le résultat dans Stager, ce soit équivalent. C'est important parce que parfois, on dit, tiens, je n'ai pas le même résultat. Et après, ça permet aussi à toutes les applications qui veulent travailler avec nous, que ce soit les applications d'Autodesk, de Blender, de Unity, d'utiliser ce document pour être sûr de s'approcher au plus près et idéalement d'avoir exactement le même résultat Sampler ou Painter et l'application en bout de chaîne.
C'est important pour les artistes parce qu'ils veulent s'assurer d'avoir le même résultat partout, idéalement, sinon ouais, tu m'étonnes. De travail. Donc voilà, ça a été rajouté aussi. Je te fais une mini pause. Merci pour le rappel. Il y a Franck qui nous rappelle que en fait, la session aujourd'hui, elle fait 90 minutes. Donc, on a du temps. On a plein de temps. Comment ça va, Pauline? Tu as passé une bonne semaine? Non, mais en fait, tu vois, t'aurais pu arriver dans 20 minutes, en fait, c'était bon. Tu vois. Ouais, en fait, j'avais tout prévu. Voilà. Donc, du coup, voilà. On peut pas non, mais de toute façon, j'ai surtout prévu parce que ces annonces en fait, que j'ai faites, elles ont honnêtement pas été spécifiques à Max. Elles ont été juste avant pour la plupart. On a fait 10 jours avant une release. Mais c'était bien de faire un rafraîchissement. Et je pense qu'aussi, il y a beaucoup de personnes dans l'audience qui ne connaissent pas forcément nos produits non plus encore. Mais on est là pour ça. Donc pattern suivant, Stager. Alors ça, c'est le petit chouchou du moment, on va dire. C'est un outil donc qui permet de faire ce qu'on appelle du staging, c'est-à-dire de la mise en scène et du rendu de scène. Donc, l'idée, c'est de prendre un objet, c'est un peu la fin de la chaîne, une des fins de la chaîne possibles, c'est-à-dire, voilà, dedans, on peut prendre les outils. Alors, on peut appliquer facilement des matériaux. Alors, il y a parfois des personnes qui me demandent, mais quelle est la différence avec Painter dans ce cas? Alors, la différence, c'est que là, on peut juste appliquer sur des zones déjà définies des matériels. On ne peut pas peindre finement ou des choses comme ça. Par contre, on peut mettre des logos. C'est-à-dire, on peut faire glisser une image et s'en servir, on appelle ça un décal ou une alpha, et s'en servir pour directement dans Sampler. Donc, on peut faire déjà beaucoup. C'est plus l'équivalent du pot de peinture, par exemple. Oui, je dirais plus de l'appareil photo au final, du studio photo. C'est-à-dire, quand on parlait justement de photographie virtuelle, virtual photography en anglais, c'est un concept qu'on va pousser, développer, auquel on croit beaucoup, qui consiste justement, en fait, si on prend Photoshop, par exemple, en général, le déroulé du travail, c'est on va engager un studio qui va prendre des photos et qui va nous envoyer plein de photos. Et après, dans Photoshop, on va refaire les retouches, on va ajuster, etc. L'idée de Stager, c'est que Stager et le studio photo en fait. Donc dedans, on va prendre les objets, on va faire le compositing, on va choisir l'angle de vue, la profondeur de champ, etc. Et faire nire rendus finaux. Après, on peut exporter en PSD et continuer à rajouter des logos comme on fait. Mais on croit énormément à ça pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est quelque chose qui est éprouvé. Par exemple, si vous prenez le catalogue IKEA, 90% des photos que vous voyez, c'est virtuel. En 3D, ouais. Et ça fait des années. Et de plus en plus dans l'automotive, dans l'industrie automobile, dans l'architecture. Et il y a des raisons pour ça. Les premières, c'est que c'est beaucoup, beaucoup plus flexible. Par exemple, si on prend un cas d'un vendeur de meubles, par exemple, voilà, pour faire des photos de meubles, il faut louer le Mas Provençal, de préférence en été, en espérant qu'il fasse beau la semaine. Et puis on choisit pas les heures, donc voilà, donc c'est moins cher. Et surtout, si on dit tiens, non, tu sais quoi, le soleil, j'aimerais qu'il soit à tel endroit, tu peux pas déplacer ton masque provençal pour qu'il soit ajusté avec le soleil, tandis qu'en 3D tu peux faire ce que tu veux. Une fois que tu sais comment marche le logiciel, tu peux choisir exactement la source de lumière. Et si par exemple quelqu'un te dit tu sais quoi, finalement il y a eu un changement, le canapé il va être en vert. Donc oui, effectivement, tu pourrais dans Photoshop changer la couleur, mais si tu te rends compte que finalement la couleur, avec l'éclairage, ça marche plus parce que c'est trop sombre, c'est plus sombre qu'avant. Donc, bref, en gros, le fait d'avoir l'objet en 3D te permet d'avoir le contrôle total sur cet objet. Et ça, c'est un gros plus. Donc oui, c'est quelque chose à apprendre, et, évidemment. Mais par contre, au niveau du temps, on divise par 8 à 10 les coûts. Les coûts de production de quelque chose. Et en plus, c'est super agréable à faire une fois qu'on connaît. J'ai une question de Denis, que je trouve intéressante. Oui. Bonjour. Quelle substance? Il faut quoi comme config? Est-ce que l'ordinateur, il a envie de mourir? Est-ce qu'il faut être hyper équipé ou on peut survivre avec notre ordinateur qui fait tourner Photoshop et Illustrator? Alors, non. Effectivement, il faut. L'important en 3D, c'est une bonne carte graphique. Donc oui, tu peux t'en servir avec un. Il y a souvent maintenant Intel fait des puces dédiées par exemple graphiques. C'est assez léger. C'est sûr, idéalement, il faut une bonne carte graphique et avec un idéalement
pas mal de ce qu'on appelle de la VRAM, de la mémoire vidéo. En fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, toutes les informations de texture vont être stockées dedans. Et aussi, pour le rendu, c'est beaucoup plus rapide. On utilise des technologies d'NVIDIA, par exemple, qui permettent d'accélérer le rendu. Donc oui, idéalement, ça utilise beaucoup plus de la carte graphique que l'utiliserait Photoshop ou Illustrator, par exemple. Donc, oui, à recommander. Si vous regardez sur Google, il y a les spécifications techniques minimum et recommandées. Mais encore une fois, un bon GPU, c'est GPU égale carte graphique, désolé, c'est recommandé. Okay. Et après, voilà, si vous avez le CPU pour faire tourner, donc le processeur pour faire tourner Photoshop, ça peut être le même que ça. Non, vraiment, idéalement, c'est plus la carte graphique. Je sais que par exemple, pour les utilisateurs de Mac, parfois, ça peut être problématique. Ça, c'est pas encore, désolé, on va pas faire de débat Mac PC. On sait tous quel est le meilleur. Non, je plaisante. Plus sérieusement, on va pas faire de débat Mac PC, mais c'est vrai que maintenant, les MacBooks, les derniers Mac, dernière génération, voilà, ils sont quand même beaucoup plus puissants, donc ça va mieux. Mais il faut s'assurer quand même d'avoir une bonne carte graphique dedans. Et ça, c'est certain. Et je pense d'ailleurs que ma prédiction, c'est que Apple va sûrement donner plus d'amour à ça dans les années à venir aussi, parce que, comme on dit, c'est quelque chose qui va... Voilà, c'est juste une prédiction, hein. J'ai aucune info, je ne suis pas du tout un insider d'Apple, mais j'espère en tout cas, parce que voilà, c'est des belles configurations et c'est parfois dommage que ça aille un peu moins vite. Mais voilà, ça change, et puis de toute façon, ça arrange, par exemple, Stager est fait pour tourner aussi bien sur le microprocesseur que sur la carte graphique. Évidemment, ce sera plus rapide avec la carte graphique, mais ce n'est pas rédhibitoire, voilà, il faudra juste attendre un petit peu plus. Merci David. Bah ouais, non, carrément. Et puis de toute façon, alors moi je tiens à préciser aussi, j'ai vu là dans mon cloud, en fait il y a une version d'essai, donc on peut aussi essayer et après le prendre l'abonnement à part si vous voyez que ça tourne bien, que ça vous plaît et que vous avez envie de faire plus. Donc là j'ai vu qu'il était dispo à l'essai pour ceux qui ont déjà le Creative Cloud. Ouais, alors il y a à l'essai. Je vous recommande même d'attendre la semaine prochaine parce qu'on va peut-être, il se peut qu'on organise un concours et que du coup, comme ça vous pouviez. Vous servir du concours pour tester la version d'essai, vu qu'on a fait que le concours dure un mois. Donc voilà, mais ça, j'en dirai pas plus sur le sujet, mais je peux vous dire que ça va reposer beaucoup sur Stager et Painter. Donc, la semaine prochaine. Cool. Et, je voulais où est-ce qu'on trouve ça? Pardon? Où est-ce qu'on trouve ça? Où est-ce qu'on participe à ce concours? Alors, ce sera sur le site de Substance, annoncé sur le site Substance. Si on arrive à bien se débrouiller, ce sera annoncé sur le blog Adobe. Monde et probablement sur bien. Normalement, on va faire pas mal de bruit autour, donc ça va être reçu. Okay. Et aussi, pour ceux que ça intéresse, il y a une offre qui est valable jusqu'au 30 novembre où, en fait, normalement, l'offre complète, la collection 3D, Substance 3D est à, si je ne me trompe pas, 40 par mois. Je parle en dollars, je n'ai pas les conversions euros, mais je crois que c'est la même chose. Et avec cette offre, pendant un an, c'est à 25 au lieu de 40. Et il y a toujours l'offre après. C'est une bonne offre. Ça permet d'avoir de profiter de Stager pour 5 euros en plus par rapport à l'offre normale. Donc, ça vaut 5 dollars, pardon, ça vaut le coup. C'est ça. Et puis, des fois, le prix des licences de logiciels 3D, elles sont dingues aussi. Enfin, une licence C4D et tout, ça. Alors, c'est assez drôle parce que souvent, justement, c'est vrai que si on compare à Creative Cloud, par exemple, qui est pour, on va dire, 50 euros à peu près, puis 20 soft, c'est vrai que dans l'industrie 3D, c'est beaucoup plus de développement et du coup, les prix sont plus élevés. Et justement, on faisait un peu partie des ovnis parce qu'on restait très accessible par rapport à beaucoup, je ne vais pas citer le nom, mais effectivement, par rapport à beaucoup qui faisaient payer 8 fois le prix pour la même chose. Donc, c'est vrai que nous, on va avoir. En tout, une fois qu'on aura modelé 5 softwares, 5 logiciels pour 39,99 dollars par mois avec des crédits sur nos différentes librairies que je vais présenter. Donc, c'est une offre qui est très raisonnable. C'est vrai qu'il y avait beaucoup qui ont été déçus de ne pas l'avoir gratuitement dans Creative Cloud, mais c'était impossible. Si on l'avait mis dans Creative Cloud, ça aurait eu un impact sur le prix de Creative Cloud. Sur le prix de tout le monde. Oui, c'est ça. Je pense que c'est bien de le rappeler.
C'est que bah, de toute façon, vous saviez que tout le monde n'allait pas s'en servir, donc à la limite, le garder séparé, ça permet de pas augmenter les prix pour tout le monde, quoi. Donc je comprends, quoi. Ouais. Et puis il y en a beaucoup qui ne savaient pas que ça existait avant aussi. C'est-à-dire que c'était un prix qui existait, que les utilisateurs étaient habitués à payer, en fait, parce que c'était, et d'ailleurs ils trouvaient ça très très fair play. Et c'est toujours le cas pour ceux qui connaissent, ils trouvent ça très fair play au niveau du positionnement, du prix. Ça reste quelque chose de très abordable. Il y en a beaucoup pour un seul soft qui font payer plus, alors que nous on en propose 3 à 5 pour le un peu plus que Netflix, mais pas grand chose. Oui, bah c'est ça. Après, vous avez toujours Dimension qui restait dans le cloud. Après, oui, il risque d'être mis un petit peu de côté sur les mises à jour, mais bon, c'est pour le moment, ça marche encore, quoi. Mm. Oui, voilà. Alors, il reste ici. Effectivement, les efforts de développement sont sur Stager. Ça a été... évidemment, ça a été impacté par le fait que Substance rejoigne Adobe. Nous, on a vu Dimension qui avait beaucoup de qualités, mais qui était très, très orienté product design de produits et packaging. Et nous, on voulait faire un logiciel de rendu qui puisse répondre à tous les besoins de tous les utilisateurs et pas seulement un seul. Important. On ne pouvait pas dire. Donc, on a préféré investir beaucoup plus dessus, mettre plus de personnes. On a réécrit le moteur de rendu de zéro. Donc, l'interface, évidemment, est très proche parce que ça, elle était très bien, l'interface. Donc, on n'avait pas vraiment de raison de la changer. Mais par contre, on a tout revu et on a surtout engagé beaucoup de personnes pour travailler dessus. Ça faisait beaucoup plus de sens de mettre dans l'écosystème Substance. Ça nous permet de faire des ponts aussi entre les logiciels. Par exemple, on a un bouton pour envoyer directement notre modèle texturé de Painter à Stager, donc des choses comme ça. Donc oui, c'est sûr, on a compris, il y a des personnes qui ont dit bah ouais, mais je comprends pas, Dimension était là. Donc ça a été un choix, c'est sûr, ça a été un choix à faire. On a décidé aussi de le laisser, mais effectivement les efforts pour tout ce qui concerne la 3D, ça va être fait dans l'offre Substance 3D. Une question cool de Gauthier, parce que je me pose la même question. Bonjour Gauthier. Comment on fait pour faire avec un casque VR pour la création? J'ai vu je sais plus, c'était un artiste que j'aime bien qui parlait de ça sur une session Adobe Max, où du coup il est avec le casque et les trucs là, et il modélise des machins. Ouais. Je vous le fais vachement bien. C'est une belle manière d'expliquer. C'est ça, c'est un, voilà. C'est un beau tutoriel. Alors, effectivement, toi, tu utilises les mots trop compliqués, moi je fais les mimes, tu vois, c'est l'équilibre. Non, et en plus, c'est vrai que c'est pas facile d'expliquer quelque chose où finalement tu prends la VR, c'est quelque chose que toi tu vois, mais les autres ne voient pas autour, pas directement. Ouais, mais alors, ouais, effectivement, alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est aussi quelque chose, en fait, nous, l'idée Substance, si on parlait avant, on est parti en s'occupant des matériaux. C'est-à-dire, on faisait vraiment les matériaux, donc on a créé Substance Designer pour créer ces matériaux. Substance Painter pour appliquer ces matériaux. On a rajouté Substance 3D Sampler pour mélanger, capturer des matériaux. Mais après, ça, c'est juste une partie de tout ce qu'on peut faire en 3D. Donc là, on a commencé à rajouter avec Designer et Modeler des parties pour modéliser les objets sur lesquels appliquer ces matériaux. Et donc, pour ça, en fait, on a racheté Medium, c'était une boîte qui appartenait à Facebook, enfin que Facebook avait racheté, on leur a racheté. Et voilà, et ça restait un petit peu, ils l'avaient de leur côté, mais ils n'en faisaient pas grand-chose. Et nous, on s'est dit, mais ouais, nous, on aimerait bien faire quelque chose. Et donc, on a pris toute l'équipe de Medium, une super équipe, et on a décidé de bosser sur un nouvel outil. Et l'une des choses qu'on voulait faire, c'est que la réalité virtuelle, c'est très bien. Et franchement, c'est impressionnant de sculpter. Alors, comment on fait? En fait, il faut t'imaginer que les deux poignets que tu tiens représentent tes mains. Donc, quand tu les bouges, tu peux prendre l'objet et on va dire que c'est comme des crochets, par exemple. Tu les prends et tu vas pouvoir étirer l'objet. Tu vas pouvoir peindre dessus. Tu vas pouvoir décider ce que tu fais, mais comme si tu voyais l'objet devant toi. Et ça, c'est vrai que ça va être un peu cliché ce que je dis, mais ça prend une toute autre dimension. C'est-à-dire le fait de le voir devant soi, de pouvoir tourner autour. Ouais, c'est vrai. Bah, t'es plus, en fait, ton cerveau, il n'est plus dans une interprétation de ce que tu vois à l'écran, en fait. Tu l'as vraiment devant toi. Mais néanmoins, on voulait, et ça, c'est unique, je pense qu'on est les seuls à le faire, on voulait un système où tu sculptes en réalité virtuelle, mais quand tu enlèves le casque, tu peux continuer la même scène devant toi sur ton écran. Travailler, ouais.
Et ça, c'est pareil, parce qu'il y a des choses qui sont très bien en 3D, et déjà en réalité virtuelle, pardon, mais parfois, il y a des choses qui sont, quand tu veux aller dans les détails, bah, parfois, tu es beaucoup mieux devant ton Ouais, c'est écran ça. à faire des choses. Ouais. Et ça, c'est un peu l'idée de Modeler. Donc, en gros, tu peux faire les deux, si tu peux. Ok, Et c'est intéressant, ouais. c'est assez malade. Je crois que c'est juste après, tu vois, Modeler, si je ne me trompe pas. Allez. Enfin, non, c'était les nouveautés qu'on a mis. Donc, Ah, c'était un c'est système horrible. de positionnement par Ouais. collision. C'est-à-dire que tu peux les objets, au lieu de qu'ils passent l'un à travers l'autre, bah, ça prend Ouais, ils peuvent se rentrer en pleine dedans au lieu physique. de. Voilà, Ouais. donc c'est beaucoup plus Que agréable pour ce les soit utilisateurs. Tomb Raider là qui passe à moitié dans le. Voilà. On va jouer à la même C'est partie en bon. jouant. Voilà. Qu'est-ce qu'on a rajouté? Alors les lumières physiques aussi, ça c'est assez récent. C'est pas. Il y a une prochaine version d'ailleurs qui vient bientôt de Stager. Mais voilà, la lumière physique, c'est important aussi. Bah, tout simplement, on parle parfois de physique. Alors, ça fait un peu peur aux artistes. Ils disent, waouh, physique, j'aimais pas ça. Mais en fait, c'est le contraire. C'est-à-dire que bah, le fait que le moteur gère les propriétés physiques des matériaux, des lumières, bah, du coup, l'artiste n'a pas à s'en occuper. Ça réagit comme dans la réalité. Donc, on sait que le résultat qu'on va avoir, c'est un résultat cohérent. Donc, voilà, on a rajouté ça. C'est D'accord. juste, il faut savoir que c'est bien. Et Ok, rendu des peaux et des matières translucides. Alors, si, en fait, c'est la ok. gestion de ce Ça, qu'on ok. appelle la dispersion sous-cutanée. Ça fait toujours bien. Si vous Ouais, voulez ouais. placer ça à un repas en fin d'année, normalement, vous allez briller en société. Dispersion. Voilà, dispersion. Alors, c'est SSS en anglais, Subsurface Scattering. Et voilà, c'est dispersion sous-cutanée. En fait, pour faire simple, c'est la peau, si on n'applique pas un certain type de matériel dessus, qui sont les C'est SSS, bizarre et ça a l'air fake, ça vrai. ça fait du plastique, exactement. Pourquoi? Ouais, c'est Parce vrai. que quand la lumière passe sous la peau, en fait, elle va rester un petit peu à 1 mm ou moins sous la peau et elle va se disperser. Et ensuite, elle va ressortir. Donc, c'est ça qui fait la différence, en fait, entre une peau réaliste ou non. Donc, c'est quelque chose qu'on définit on appelle ça le shader. En fait, c'est le petit programme qui permet de faire réagir le matériel. Comment on réagit? Bah, tu Ouais. lui dis, OK, tu vas mettre la dispersion. C'est juste un curseur hein, pour l'utilisateur. Il dit, est-ce que tu veux qu'il y ait de la dispersion sous-cutanée? Oui. Et ensuite, il faut régler. Alors, pour régler, à combien? Est-ce que ça disperse beaucoup? Etc. Donc, on pourra faire une session là-dessus un jour, mais ça apporte beaucoup de réalisme. Tout ce qui est gomme, tout ce qui est paraffine, les bougies, la peau, évidemment, tout ce qui est comme ça, la gomme, les petits ours en gomme, par exemple. Ah Enfin, ouais, des un trucs. peu translucide. Pour ceux que Ah, ça donc, carrément. intéresse. Ah, il s'en va. Ah bah voilà, ça y est. Bon. Pour ceux que ça intéresse, il y avait une petite vidéo sur Vox qui explique ça, en fait, sur pourquoi la pose est si difficile à faire en 3D. Donc, je laisse Alex fouiller dans Vox. Je vous conseille la chaîne de Vox. Il y a toujours des trucs de design de 3D hyper improbables. Ils ont sorti une vidéo la semaine dernière sur pourquoi les portes, c'est super dur à faire en jeu vidéo. Et ils ont fait, voilà, ils expliquaient qu'il fallait la translucence quand il y avait de la lumière derrière vos oreilles. Bah, les oreilles sont un peu rouges et tout. Et si vous n'avez pas ça, bah, ça fait comme s'il y a une grosse couche de fond de teint bizarre, quoi. Donc, Exactement. trop cool. Allez. Et si tu veux aller plus loin, normalement, il faut même prendre les os qu'il y a en dessous. C'est-à-dire, si tu le Ouais, c'est fais, ça. par exemple, sans faire ça, tu as l'impression que ton nez est vide. Mais Ouais, oui, en fait, tout ce qu'on fait, c'est en fait, on super bien simule en expliqué. 3D. On simule la dispersion, le chemin de la lumière dans une salle entre la source de lumière et la caméra. Donc, parfois, si c'est un objet simple, bah, juste être réfléchi. Et ça, c'est pas trop compliqué. Et après, c'est plus compliqué comme la réfraction, c'est-à-dire une bouteille d'eau comme celle-là, bah, quand la lumière passe, elle va être déviée. Donc, il faut calculer, donc il faut connaître l'indice de réfraction de l'eau, c'est 1,33. Une fois qu'on en a besoin, on le sait. Mais voilà, c'est des choses, une fois qu'on les sait, on les sait et c'est facile. Mais ça offre beaucoup de réalisme à une scène de s'attarder sur ces détails. Donc, l'avantage, si vous allez dans la 3D, c'est que vous n'allez pas vous ennuyer. Il y a plein de choses. Bah Ça ouais, là c'est des on énormes apprend plein nouveautés de en choses fait, sur plein de choses. c'est dingue. Un Ouais, mais c'est rigolo. C'est truc un beau important, ouais. voyage. Un beau voyage. Modeler, donc, on parlait. Alors, je ne vais pas montrer l'interface de Modeler parce que c'est un bêta privé, comme j'ai dit. Et en fait, elle change à peu près toutes les semaines. J'exagère. Par contre, pour l'avoir essayé et pour vous faire baver un peu, c'est vraiment cool. Je suis un mauvais artiste, un mauvais sculpteur, on va dire. Pour les matériaux, ça va, je m'en sors, mais. Et là, je prends plaisir à sculpter. C'est assez dingue. Donc, ça permet de faire du.
comme on a dit, de sculpter à la fois en réalité virtuelle ou sur son PC ou Mac, ou les deux en même temps. On peut passer de l'un à l'autre, c'est instantané. Et c'est vraiment, j'ai vraiment hâte de voir ce que vont faire les artistes avec. C'est une industrie de modeling et sculpting qui est assez fermée depuis pas mal d'années, avec ZBrush qui a, on va dire, à peu près le monopole de l'amour, et à juste titre, hein, c'est un super soft. Mais je suis curieux de voir ce que vont faire les personnes avec Modeler, parce que c'est vraiment, vraiment impressionnant. Ouais, j'ai réussi à faire des choses sympas. C'est ça, il y avait, je ne sais pas comment ça s'appelle, tu viens de le dire, je crois, le truc de réalité virtuelle où tu pouvais peindre. Oui, alors il y en a plusieurs. Moi, j'avais fait ça. Et il y avait toujours un truc un peu... Ouais, et ça manquait en fait de volume à chaque fois. On a l'impression que c'était plein de coups de pinceau qui étaient mis l'un à côté de l'autre. Et du coup, c'est vrai que ça va être cool d'avoir la 3D. Je pense que ça va être marrant, ouais. Ouais, parce que vous avez déjà fait dans le chat. Voilà. Ouais, bah, normalement, on aura plus d'infos l'année prochaine. Ça devrait être bien. Donc voilà, ça c'est quelques exemples de choses faites avec Modeler. Donc on fait de l'organique, on appelle ça surface dure ou surface industrielle. C'est organique, c'est toutes les formes souples, et tout ce qui est industriel, c'est tout ce qui est plaques, découpage un peu plus angulaire. Mais en général, ça c'est difficile d'avoir les deux en même temps. Donc là justement, on a travaillé les derniers temps justement pour faire un peu plus d'angulaire aussi, pour pouvoir répondre un peu à tous les besoins. Et c'est basé sur une technologie de voxel, pour ceux qui s'intéressent. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme des volumes dans l'espace sur lesquels on va rajouter, enlever, couper. Et voilà, c'est une technologie comme une autre. Hein, mais du coup, ça permet de mettre pas mal de résolution et avec des résultats vraiment sympas. Alors, quoi d'autre? On a présenté justement la librairie Substance 3D Asset un petit peu. Donc, je fais un petit point. En fait, c'est des ressources qui sont déjà prêtes à l'emploi. Parce que parfois, on a besoin de matériaux, mais on n'a pas envie de faire ces matériaux, tout simplement, soit parce qu'ils existent déjà. Donc, il n'y a pas besoin de réinventer la roue. Et c'est pareil pour les modèles. Parfois, si on fait un modèle de cuisine, on n'a pas forcément envie de remodéliser tous les verres, ustensiles, etc. Donc, on a une librairie de 2000 objets, 2000 modèles 3D, 7000 matériaux, sachant que les matériaux sont procéduraux, donc, c'est-à-dire qu'ils ont des paramètres. Donc, ça veut dire que vous pouvez multiplier 7000 par je ne sais pas combien. Oui, en gros, ça fait des millions de variations. En gros, c'est comme ce qu'on a vu dans Illustrator avant que tu arrives. On a déplié les paramètres de texture substance dans Illustrator et il y avait déjà... voilà. Voilà. Donc souvent, c'est vrai qu'il y en a, on fait, c'est toujours important de montrer les chiffres, etc. Et ouais, mais nous, on a plus de matériaux. Et oui, mais nous, ils sont procéduraux. Donc nous, pour un matériel, donc on a chaque matériel représente des centaines de variations. Ça, c'est okay. Cool. On a des atlas. Alors les atlas, c'est en fait ça permet de prendre des parties de texture. Ça peut faire des objets, par exemple, on peut faire des feuilles. C'est pour déposer des feuilles sur un objet, ça va être une texture, mais en fait, dans un atlas, on va avoir 6, 7, 8 modèles de feuilles et on s'en sert pour les disperser sur un sol, par exemple. Donc, on a ça aussi, donc des atlas de débris, de feuilles, de fleurs. On a ça aussi, procéduraux également. Et aussi, parfois, on en a qui sont scannés, mais même quand ils sont scannés, on rajoute des paramètres par-dessus. Donc, on garde toujours cet esprit procédural, c'est important pour nous. On a aussi 50 studios photo. Alors ça, c'est les environnements 3D. Alors, ce qu'on s'est amusé à faire, c'est aller dans des studios photo et à prendre toutes les sources de lumière, et on les a aussi fait procéduraux. C'est-à-dire qu'on a mis des paramètres pour changer la lumière, et donc ça permet encore d'avoir plus de variations. Et on en rajoute sans cesse. L'équipe, il travaille. L'équipe, donc, quand tu dis 50 studios photo, en fait, c'est... ça permet de prendre son objet, de le mettre dans un studio photo et de l'éclairer comme on veut. Exactement. Je pourrais montrer à pas si vous voulez. Mais effectivement, tu prends ton objet, tu glisses-déposes. On appelle ça un stage, si je ne me trompe pas, dans Stager. Et du coup, ça va rajouter directement les lumières, le fond, les caméras qui vont bien. Et du coup, après, on peut tout reparamétrer si on veut. Mais au moins, par défaut, on a notre objet avec une caméra, le fond qui va bien. Et du coup,
On n'a rien besoin de faire d'autre. Donc, c'est aussi important, en fait, on essaie toujours de couvrir pour que si on est débutant ou avancé, ben, on ait un rendu crédible. Parfois, c'était un peu le problème avec beaucoup de soft de rendu, c'était que bah, il fallait presque une maîtrise en ingénierie juste pour faire un rendu et comprendre comment ça fonctionne. On voulait vraiment que par défaut, ce soit facile et après, si tu veux aller plus loin, tu puisses. Oui, parce que en fait, alors, il y a beaucoup de choses là quand même. Moi qui ai peur de la 3D, ça, je ne suis pas sûre d'être rassurée. Donc là, tu es en train de me dire que si, c'est accessible en fait. Ouais. Mais en fait, c'est comme la cuisine, j'ai envie de dire, dans le sens où tu peux dire, tiens, je vais tout faire moi-même, je vais faire mes petits oignons, que je vais les faire rissoler et je vais les mettre à mariner pendant 3 mois dans un je truc. Je vais les faire pousser mes oignons. Voilà. Et à l'autre bout de la chaîne, tu as le restaurant où tu t'assois okay. Et tu manges. Et c'est tout aussi bon, mais ce n'est pas le même principe. Là, c'est un peu la même chose. On essaie de tout couvrir. C'est-à-dire, tu peux dire, moi, je suis un matériel artiste, je veux faire mes matériels moi-même de zéro, je vais dans Substance Designer avec mes paramètres, parce que voilà. Ou alors, tu peux aller, dis-moi, non, moi, ce qui m'intéresse, j'ai mon modèle de casque stéréo, par exemple. Je veux juste jouer avec des matériaux qui sont déjà prêts, changer les couleurs et trouver l'harmonie de ma scène. Parce que ça ne m'intéresse pas les matériaux. Donc, l'idée, on ne va pas dire, non, tu es obligé de faire tes matériaux. Non, tu peux très bien les utiliser. Ils sont prêts pour toi, prêts à l'emploi et tu les disposes. Et on essaie de faire pareil pour tout. Tu peux très bien dire, je veux faire un rendu de mon objet et j'aimerais mettre des objets de décoration derrière, mais je ne suis pas modeleur, je n'ai pas envie de les faire moi-même. On a une librairie de 2000 studios, je crois que tu as 50 crédits par mois pour prendre soit des matériaux, soit des... Et avec ça, bah, tu n'as pas à te soucier des objets derrière parce que ce n'est pas ça qui t'intéresse dans ce que tu veux produire. Okay. Ce qui t'intéresse, c'est ton objet. Donc, tu choisis là où tu veux mettre ton amour en fonction de... Et ce qui se passe beaucoup, nous, on a remarqué avec Substance Designer, avec Substance Painter, c'est que on a eu Substance Designer qui était, comme je dis, c'est un peu le cœur. Donc, c'est vrai qu'il est un peu plus technique que le reste. Bon, moi, je suis plus là-dessus. En tant que mauvais artiste, je suis meilleur technicien. Mais du coup, en fait, on a remarqué que quand Substance Painter a grandi, ça a répondu à un besoin de quelqu'un qui voulait dire « Moi, je ne veux pas créer mes matériels, par contre, je veux peindre sur un objet. » Et ça a très bien marché. C'est le leader... C'est le logiciel leader dans son secteur. Mais par contre, au bout d'un moment, il y a beaucoup de personnes qui se sont dit « Ah, mais voilà, là, j'arrive à un point où j'aimerais bien faire mes matériels » et qui se sont tournés vers designer. Donc, en fait, tout est connecté pour dire bah, « on s'attend à ce qu'il y en ait dans Stager qui disent à un moment « Ah, mais moi, finalement, j'aime bien l'objet qu'il y a là, j'aime bien, mais j'aimerais bien le peindre. » Donc là, ils vont peut-être utiliser Painter et le peindre. Donc, c'est en fonction, on ne veut rien imposer, en fait. Le but, ce n'est pas d'imposer, c'est de répondre à des besoins d'un artiste à un moment donné. Enfin, c'est pour ça aussi que les softs sont séparés. Il y en a qui nous demandent pourquoi tout n'est pas, vous ne faites pas un seul méga soft et on n'en parle plus. Ben justement, parce qu'on préfère spécialiser un soft dans un logiciel, dans un domaine et qu'il le fasse bien sans surcharger l'interface. Et si après, tu as besoin d'un autre logiciel, ben, il est là de toute façon. Donc, il n'y a pas de problème. Voilà. Ouais, donc, tu peux très bien te mettre à la 3D et d'abord te concentrer sur tiens, je vais faire un beau rendu d'une bouteille ou d'un casque et le fond, dans un premier temps, je vais peut-être le faire dans Photoshop, c'est pas grave, et ça va marcher, ça va être super beau. Et c'est toi vraiment qui choisis. Le but, c'est vraiment ça. Faut pas se dire non, la 3D, c'est comme ça et pas autrement. Non, la 3D, tu peux vraiment choisir ce que tu veux faire dedans. Ouais, bah, du coup, j'ai l'impression que c'est comme la suite Creative Cloud. T'es pas obligé d'être une star en InDesign, Illustrator, Photoshop, After Effects, Premiere. Tu peux juste te spécialiser dans Photoshop et de temps en temps, il faut ouvrir Illustrator, quoi. C'est des trucs... Okay. Voilà, c'est exactement. Et puis, celui qui est une star dans tous les logiciels de Creative Cloud, je veux son nom. Bah, Franck, il y en a tellement. Il y en a qui touchent partout, hein, ça, c'est clair. Mais... Alors, tiens, là, tu vois, ça montre les stages à droite, tu les vois. En haut à droite, tu vois ce que c'est un stage. En fait, on a fait une rotation autour. Il y en a plusieurs, d'ailleurs. Mais voilà, ça se présente comme ça. Les objets, bah, c'est pareil, tu vois, c'est des objets comme ça. Donc, parfois, je te dis, si tu as juste une mise en scène d'architecture à faire, tu n'as pas envie de tout recréer de zéro. Donc, bah, là, tu as des objets qui sont déjà à disposition, qui sont inclus dans ton offre, et puis avec des matériaux, pareil, qui sont inclus dans ton offre. Et tu peux, après, te concentrer sur vraiment l'objet maître de ta scène, là où tu veux apporter tout l'amour, l'originalité, etc. Mais là, tu vois, après, on peut quand même télécharger des objets
qui ont été modélisés ailleurs. Enfin, tu vois, on peut télécharger sur un stock des objets 3D, donc c'est infini. Bien sûr. Ah ouais, ça, bien sûr, tu peux les créer de zéro si tu as les compétences. Tu peux utiliser un logiciel de modeling, soit ce qu'on a, ou soit d'autres, Blender, 3ds Max, Maya, peu importe. Et on supporte beaucoup de formats, donc tu as juste à le glisser, déposer dans la scène et il sera. Ok, parfait. Donc ça c'est bien. On a aussi une substance community, 3D Community Asset. Alors ça, c'est une librairie communautaire, donc c'est gratuit. Et c'est là par la communauté en fait qui fournit, et c'est, on peut s'en servir aussi pour usage commercial. On en avait une avant, on l'a refaite, elle est beaucoup mieux, et surtout aussi au niveau des, c'est plus facile d'utiliser pour des raisons pour des usages commerciaux, parce qu'avant il y avait l'obligation de mentionner la personne, et parfois si c'était quelqu'un qui voulait s'en servir dans un spot de 10 secondes, bah, il pouvait pas vraiment, il y avait pas d'espace pour le, donc là maintenant c'est plus obligatoire. C'est plus facile. Là, pour le moment, il y a les matériaux. Et depuis la semaine dernière, si je ne me trompe pas, il y a 2 semaines, on va pouvoir ajouter tout ce qui est filtre. Filtre, alors, les filtres, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui va modifier le résultat existant. Par exemple, ça peut être rajouter, se servir d'un carrelage et rajouter des débris, encore une fois, ou déformer le visuel. Voilà, donc c'est des filtres. Avant, ce n'était pas possible. Maintenant, ça l'est. Donc, plutôt cool. Donc, je vous invite à aller faire un tour là-dessus, ça marche plutôt bien. Et alors, on a aussi des intégrations dans les applications Creative Cloud. Ça a été annoncé à Max, par contre. Ce qui est déjà présent, c'est dans Illustrator. Je pense que Franck a fait une démo il n'y a pas longtemps. Maintenant, effectivement, dans Illustrator, on peut se servir des matériaux substances. Alors déjà, on peut générer des objets 3D à partir d'une forme, ce qui est très, très cool. Et on peut aussi on peut appliquer des matériaux et des matériaux substances. Donc par... Dans Photoshop, il se passe quoi? Alors dans Photoshop, il y a eu un clin d'œil, donc c'est pas encore là et c'est toujours en développement, mais c'est pas grave, ça a été annoncé à Max, donc j'ai le droit d'en parler. J'ai demandé, ça vient d'être annoncé. Ouais, à minute 13. Photoshop se débarrasse aussi de l'option 3D, qui est, du coup, elle s'est faite migrer dans Illustrator. La 3D va disparaître de Photoshop. Donc, c'est pour ça que je suis curieuse. Qu'est-ce qu'ils vont nous mettre? Alors, en fait, ce qu'on va mettre, c'est le support du format substance. Donc, ce qui veut dire que tu pourras prendre un calque et importer un matériel substance dessus avec tous les paramètres éclairés. Donc, ce sera comme un fond. Donc, tu peux, après, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux aussi, techniquement, créer des filtres. Tu pourras créer des filtres substance, c'est-à-dire que encore une fois, ça peut prendre le contenu d'un calque et le modifier en fonction de ce que tu as défini dans le filtre. Donc, c'est un peu plus avancé, mais je pense que je vais m'amuser. Je ferai sûrement des tutoriaux là-dessus, parce que tu pourrais prendre cette image et dire, tiens, je vais faire une déformation en fonction d'un calque ou quelque chose comme ça. Donc, c'est plutôt cool. Et surtout, le support, ça va permettre... tu veux mettre un mur de briques derrière, tu peux mettre un fichier substance, le faire répéter, changer les paramètres. Tiens, je veux plus clair, plus foncé. Après, tu as tous les paramètres du matériel substance. Directement dans Photoshop. Directement dans Photoshop. Ah. Donc, il y a beaucoup de personnes qui nous demandaient aussi qu'on a rejoint Adobe, justement, est-ce qu'il va y avoir des synergies? Il faut le temps que ça se fasse, parce que c'est pas anodin à développer. Mais voilà, ça commence, il y en aura d'autres. Mais voilà, on commence avec Illustrator, puis Photoshop, et puis on espère qu'il y en aura encore plus dans le futur. Mais je pense que oui, parce que j'ai joué pas mal avec celle de Photoshop, et c'est cool. C'est vraiment cool d'avoir un calque, procédural, où tu peux encore modifier les éléments, et tu peux aussi, si tu connais après le designer, tu peux te créer tes propres calques, et c'est vraiment cool. Ok, je suis hyper curieuse de voir ce que vous avez en tête là-dessus. Ouais, ça va venir bientôt, je pense. J'ai pas de date, mais bientôt. On aime bien dire bientôt. Bientôt. Creative Cloud Desktop, alors ça, c'est récent, c'est une dernière update maintenant. On a la librairie 3D, 3D Asset, qui est directement valable dans… Et si je ne me trompe pas, alors à vérifier, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, tu peux directement envoyer
dans Painter ou dans Sampler, ou voilà, tu fais un clic droit dessus. Il faudra que je vérifie, mais il me semble que si tu fais un clic droit dessus, tu peux envoyer à Painter directement le matériel qui est. Oui, Ça bah te ça prend 5 semblerait crédits. un peu logique, ouais. Ok. Ouais. Qu'a-t-on d'autre? Alors, Adobe Bridge, alors c'est pas nouveau, mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui le sachent, donc ça vaut le coup de le répéter. Bah, pareil, en fait, ça supporte Adobe Bridge, qui est gratuit, hein, en cas où ça. Supporte maintenant le format substance et encore une fois, on peut envoyer sur les applis qu'on a, on peut envoyer un matériel de sa collection directement à Painter, Sampler. Voilà. Et surtout, ça permet de les visualiser sans ouvrir une autre application. Donc, ça fait Ouais, sans quand même ouvrir. sympa. Ok, ouais. Donc voilà, ça montre tranquillement. Et Adobe Capture, alors ça aussi, ce sera annoncé plus tard, mais ça va venir, on a commencé à en parler. Alors, Adobe Capture capture déjà des matériaux et c'était déjà fait avec une technologie substance avant qu'on soit parti d'Adobe en fait. On avait un partenariat. Ceci dit, voilà, ça commence à dater un petit peu, donc on commence à revoir ça et on va pouvoir faire la même chose, donc capturer un matériel directement à partir de ça, Directement sauf dans que le ça va être capture. beaucoup, beaucoup plus réaliste le résultat que ce qu'on avait avant. Donc Ouais. quelque chose sur lequel on va travailler fort. Au moment en bêta fermée, ça va, voilà. Normalement, pour 2022, c'est prévu. Et à mon avis, ça va être cool. Parce que ça va vraiment permettre pour un architecte, par exemple, s'il a besoin d'une référence sur un lieu de travail, il peut juste prendre une photo et il aura son matériel prêt à l'emploi pour son En modèle à la fait, maison. ce qui est marrant aussi, c'est que les sneaks de Adobe Max l'année dernière étaient tournés beaucoup autour de la 3D. Et en fait, c'est marrant de voir que ça commence à s'implanter dans les, ça y est, dans les trucs qu'on peut utiliser, quoi. Donc les Ouais, sneaks, c'est et marrant. beaucoup plus cette année encore. Cette Ouais. année, il y en a eu encore plus. Et de ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, l'intérêt de la communauté grandit aussi pour ça. Si je compare les sessions, j'étais modérateur sur une session et c'était impossible de répondre à toutes les questions. En fait, c'est la première fois que ça m'arrive. Il y avait tellement de questions, ça déroulait qu'il y a vraiment un intérêt. Et encore une fois, je pense que ça va se développer énormément, industrie par industrie peut-être, mais petit à petit, les personnes voient l'intérêt. En général, comment ça fonctionne, c'est que c'est souvent les grosses entreprises qui s'y mettent en premier. Pourquoi? Parce qu'elles ont l'air suffisamment solides pour dire, tiens, on va mettre 5 personnes à travailler là-dessus et les 200 autres à travailler sur. C'est pas un gros risque. Donc, elles le font déjà depuis des années. Je ne vais pas citer des noms, mais on va dire tous les gros de toutes les industries sont déjà à la 3D. Et après, en fait, ça se répand parce que du coup, ah, ça marche, donc on a besoin de personnes. Donc on demande aux écoles, on aimerait bien que ces étudiants soient formés avec substance parce que on en a besoin pour nos outils. Et donc, après, ça se répand très, très rapidement comme ça. Et c'est déjà le cas pour, comme j'avais dit au début, pour le jeu vidéo ou le film. Maintenant, l'industrie automobile, l'industrie de la mode et du design Ouais, sont en plein boom au certainement. niveau de ça. Et on va dire que vu la situation actuelle avec le Covid, C'est pas prêt ça a à manger. beaucoup poussé dans cette Ouais. direction. Ça s'accélère. Malgré toutes les mauvaises choses, on va dire, avant, on avait dire les personnes avaient souvent le choix entre est-ce que je le fais, je fais photographie virtuelle ou réelle. Et quand tous les studios de photos ont été fermés à cause de ça, en fait, c'était plus une question de choix, c'était une question presque, j'allais dire, de survie, parce que c'était est-ce qu'on fait un catalogue cette année ou est-ce qu'on n'en fait pas? Donc, si on veut en faire un, là, il faut se tourner vers le virtuel. Donc, en plus de toute la flexibilité que ça a offert, on va dire la situation actuelle a fait que c'est devenu une nécessité dans beaucoup de cas. Bah, c'est un peu, je rebondis sur ce que tu dis, c'est hyper important et bah aussi je l'amplifie pour la communauté, pour les gens qui nous regardent. Ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il y a des opportunités qui vont se faire pour l'avenir aussi en tant que créatif dans les métiers. Il va y Oui. avoir de plus en plus, ça va être des compétences dont les clients vont avoir besoin. Donc voilà, C'est toujours vraiment cool de important. Et savoir ça, d'ailleurs, j'ai vu savoir où se beaucoup positionner. Ouais. de personnes qui en fait vont chercher leurs artistes dans les écoles de jeux vidéo, par exemple, ou de VFX. Parce que les artistes qu'ils ont dans leurs écoles ne sont pas encore formés à ça. Et ils disent, mais moi j'ai besoin d'un artiste substance par exemple, et j'en trouve pas, donc je suis allé voir. Alors, l'artiste du jeu vidéo,
on va dire techniquement fait l'affaire, mais ce n'est pas les mêmes affinités. Il y a d'autres, on va dire, il y a d'autres connaissances qu'il n'a pas forcément au niveau de la mode, de l'histoire de la mode, du couleur et matière. Donc, c'est vraiment intéressant. Et d'ailleurs, quand je donne parfois des formations dans des écoles de 3D, jeux vidéo à l'époque, et je disais aux personnes, si vous voulez vous ouvrir et voir d'autres industries, il y en a beaucoup qui sont en demande et qui manquent de personnel formé à ces logiciels-là. Donc, gardez les yeux ouverts. Mais effectivement, je pense que même pour les graphiques, enfin, surtout pour les graphiques designers et dans toutes ces industries-là, il y a tellement d'opportunités et c'est surtout tellement intéressant. Il n'y a pas une industrie qui est plus intéressante que l'autre. Elles sont toutes intéressantes, elles ont toutes leurs spécificités et c'est génial. Justement, moi, je sais que je me régale à pouvoir travailler avec toutes ces industries. C'est vraiment un plaisir. Ouais, c'est important de garder les yeux ouverts sur ce qui réponse. Eh bien, parfait. Tu sais quoi? Il nous reste 5 minutes. Enfin, 3 minutes Ah, et bon, demie. parfait. Donc, on a le timing parfait. J'ai vu une petite question passer. Alors, on va peut-être te mettre une colle, mais je trouve que Oui, la alors question est attends, intéressante. je demande juste une seconde, j'entends quelqu'un qui sonne à ma porte, je regarde. Ah, Ah, bah alors. je Parfait. Voilà, est-ce que ça vous a plu cette session substance? Moi, j'ai le cerveau qui est en train de couler par les oreilles tellement je suis impressionnée par toutes les possibilités et tout ce qu'on peut faire. Je trouve ça dingue. J'ai vu aussi tous vos messages faire clic, clic. Donc, n'hésitez pas si vous avez des petites questions. À Vincent, il est occupé aujourd'hui. Je regarde un petit peu. Alors, est-ce qu'on a les petites questions qui arrivent tranquillement? Fabien qui nous dit ça lag. Alors je crois que ça lag du côté Behance, on m'a dit. Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est Behance? Bon, je ne vais pas vous laisser comme ça vous dire au revoir tout seul. Il arrive. Ah voilà. C'est un Bon, peu du la coup, folie il. en plein déménagement. Donc voilà. Et bah Alors, quelle parfait. est donc cette question qui va Et bah me écoute, brûler? on a 3 minutes pour te poser une colle. J'ai l'impression qu'on a parlé de plein de trucs. Et il y a Pierre qui demande. Est-ce que vous prenez en compte la question environnementale au sein de la conception des logiciels? Les émissions carbone du numérique représentent déjà 4% des émissions globales et sont en hausse tous les ans. Voilà, Alors, c'est une question oui. Alors, moi, j'ai envie de dire oui, mais pas assez. intéressante. Dans le sens où c'est un débat aussi qu'on lance en interne, qu'on a lancé il n'y a pas longtemps, mais effectivement, c'est quelque chose qu'on commence à prendre en compte. Alors, de toute façon, on optimise autant qu'on peut nos logiciels pour des raisons de performance. Et du coup, en faisant ça, on fait. Néanmoins, je sais qu'on a des débats en cours, c'est comment effectivement diminuer l'impact environnemental au niveau entreprise. Donc, et au niveau logiciel, ça en fait partie. Je sais que c'est quelque chose qu'on a lancé. J'ai eu une discussion avec beaucoup de personnes il y a 2 semaines sur ce sujet. Comment prendre moins de ressources, processeurs en général. Je pense qu'on peut faire mieux. Après, à voir ce qui est possible. Adobe, c'est une grosse, grosse, grosse structure, hein. Il y a plus de 25 000 employés. Donc, effectivement, c'est un peu pour changer les directions. Ça prend du temps, mais néanmoins, la direction de Adobe est engagé et s'engage dans ces voies-là. Donc, c'est vrai que tout ce qu'on peut proposer, on n'a jamais de porte fermée en disant non, non, oublie ça. Donc, oui, c'est quelque chose qu'on essaie de prendre en compte. Comment diminuer, voir s'il y a des charges inutiles. Là, justement, un débat qu'on avait, c'était est-ce que les processus qui sont installés, par exemple, quand on installe une application, est-ce qu'ils sont tous nécessaires? Si oui ou sinon, est-ce qu'il y a moyen d'optimiser ça? Donc, oui, c'est une super question. Donc, je n'ai pas de réponse c'est un peu une réponse de Normand parce que j'ai pas de cas concret. Je pense qu'il y a une page, par Oui, contre, c'est sur important de poser ces Adobe, questions-là aussi. Sustainability, il y a des choses. Mais oui, c'est des choses en tout cas qui sont dont on discute beaucoup. On essaie de voir ce qu'on peut améliorer à tous les niveaux. Donc c'est vraiment voilà. Après, il y en a beaucoup qui sont sur la comment Adobe fonctionne en interne. Alors le recyclage, l'usage des ressources. Même les machines qu'on utilise pour travailler, est-ce qu'on a besoin d'une machine si puissante ou oui ou non? Bon, alors nous, bon, c'est vrai que c'est en 3D pour le coup, effectivement, il faut des machines puissantes, mais c'est vraiment des questions qui sont posées, qui sont prises très, très au sérieux. Et pas juste, enfin, premièrement, parce que c'est ce qu'il faut faire. Et deuxièmement, je pense qu'au niveau entreprise, c'est quelque chose qui va être de plus en plus regardé, qui est déjà regardé, mais qui est de plus en plus regardé dans les années à venir. Donc, je ne vais pas dire que ce soit de gré ou de force, mais.
il faut, c'est quelque chose que on n'attend pas du tout d'être d'avoir des lois qui tombent pour prendre des mesures là-dessus. C'est vraiment quelque chose qui est pris très très au sérieux, surtout par Adobe. On peut regarder Adobe sur tout, ils ont plein de sites sur tous les sujets, que ce soit au niveau social, écologique. C'est vraiment une boîte qui est très 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 investie. C'est vrai que souvent les personnes voient juste un gros mastodonte de 25 000 personnes, etc. Mais non, c'est une boîte qui est énormément investie sur beaucoup de causes, qui donne énormément à beaucoup d'associations pour que les choses avancent, on va dire, au niveau social et environnemental. Et encore une fois, c'est des sujets qui sont très actifs en interne. Très important. Eh bien, écoute, ce sera le mot de la fin, parce qu'on va se faire couper. Ben, je crois qu'on s'est déjà fait couper. Bon, je ne sais pas si on est encore là. Ben, merci beaucoup. Désolé pour le retard, mais je pense qu'on se reverra de toute façon. Carrément. Et bah, merci d'être venu. Ah, bah voilà, tu frises un peu, pareil. Ouais. Et bah, merci à tous pour toutes vos questions. J'ai eu plein de questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre, mais vous avez vu, c'était hyper dense. Mais vous inquiétez pas, c'était une introduction à tout ce qui est possible de faire. Et j'espère que ça va vous donner envie. Et puis voilà, je vous envoie plein de bisous. Merci à tous. Merci Vincent. Je pense qu'on va se revoir. Merci, à la prochaine. Et puis tous les autres, bah, vous restez encore. Demain, on fait la photo, les mises à jour Photoshop. Ça va être trop cool. J'ai trop hâte parce que vous savez, Photoshop, c'est un peu le seul logiciel que je connais. C'est un peu la blague, mais c'est pas complètement faux. Et vendredi, la vidéo avec Nicolas Burnage. Donc, on a encore la fin de semaine. Voilà. Nicolas Burnage. Nicolas Burnage. Ouais, ça va être. Ah, ouais, d'accord. Voilà. Bonne semaine. Et bah, bonne fin de semaine à tous. À la prochaine fois. Je vous envoie plein de petits bisous. Au revoir.